Salut à tous, donc là en avant pour récupérer le dernier perso. Bon, tu me laisses passer, merci. Donc là, tout d'abord, on déséquipe tout le monde. Donc vous allez voir pourquoi. Donc là, on prend notre envol. Bon, là, si je tombe sur Doomguise, je suis pas dans la merde. Donc j'espère que ouais, je vais pas tomber dessus. Je vais raser le sol au cas où. Je passe ça compte. Donc pour récupérer l'oké, hein, il suffit d'aller ici. Attendez que je me trompe pas. Je rappelle, c'est une espèce de montagne. Ouais, voilà. Donc vous voyez, si vous allez, hop, ça fait une espèce d'étoile en fait. Voilà, donc il faut se déposer au centre. Et voilà pourquoi j'ai pris qu'un perso, parce que de toute façon, il faut faire du groupe. Alors déjà, je vais foutre une femme, c'est-à-dire une mage, parce que c'est pareil, hein, dans chaque équipe. Ensuite, allez, on va se marier, on va se mettre une arrow. Je fais le con, mais c'est pas grave. Bon, bah, parce qu'on met une arrow là, on met le deuxième perso là. Je fais un peu de la merde, hein, mais c'est pas grave. Donc là, 8 persos en tout. Donc un bourrin dans chaque. Et pour les deux derniers, qu'est-ce qu'on va mettre? Bah, allez, un espèce de perso de soutien, quoi, dans chaque. Donc là, j'aurais plutôt mis Strago. Je sais pas si je mets Strago ou Shadow. Bah, allez, Strago, parce que Shadow, on utilise tout le temps. Et... voilà. Donc, hop, deux équipes. Donc, vous allez voir, donjon long. Hein. Un peu chiant, on va dire. Donc là, si on va retourner au dirigeable, il suffit d'attraper le crochet qui est à gauche, là, vous voyez. Donc là, sans perdre de temps, on va équiper tout le monde. Donc, Maro, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de l'équiper. C'est pas pour ça qu'il y a des stats de merde, comme vous voyez, attaque 198, il en a plus que Scan quand il est équipé. Hein. Donc vous voyez. Donc là, voilà, on équipe tout le monde. Second groupe. En fait, il faut appuyer sur Y hein, pour équiper. Non, je préfère plutôt que tu prennes... ouais, pourquoi... non. Non, non, t'as raison, prends ça. Et toi, tu prends... putain, y'a pas mieux que ça, putain. Ça, est-ce que c'est bien, un bâton d'écran. Bâton gravité, bâton football, voilà, bâton soin. Baguette soin, pardon. Voilà. Donc, les reliques. Donc ça c'est pour l'XP. Hein. En quoi les reliques ne pas... vous avez dit ça, Cap Zephyr c'est sympa, ça augmente la skill magique et normal. Hein. Donc je vais lui mettre une boucle d'oreille. Je sais pas si j'en mets une ou deux. Une boucle d'oreille et une bague de héros, vu que j'en ai deux. Voilà. Lui, comme d'habitude, la ceinture noire. Et on a surprise. Ensuite, Gogo. Est-ce qu'il a un bon niveau lui? Pas mauvais, ouais. Bon, ils sont à peu près équilibrés parce que quand on retrouve un perso, il est de la moyenne de notre niveau, si je ne me trompe pas. Donc on va lui mettre. Allez, une cape Zephyr, ça lui sera toujours utile. Et puis on va lui mettre les baskets pour courir. Oui, pour aller plus vite. Et. Voyons voir. Non, ça je vais plutôt le mettre là. Ouais. Ah, j'avoue que je sais pas trop. C'est pas un truc qui. Non. Non. Non plus. C'est pas ça que je veux, moi. Ah bah. C'est ça. Il y avait mieux que ça, il y avait attaque surprise et embuscade. Ah oui, d'accord. Bon, ça devrait la même chose. Quoi. Bon, ben voilà, pour eux ça ira. Ensuite, on va leur mettre des espères. Donc, elle n'a pas encore appris ça, donc elle va le faire. Lui, on s'en tape complètement. Ouais, voilà, plus 30%.
Gogo il peut pas, ok. Gogo il peut pas, mais il peut apprendre les magies de tout le monde, hein, si je me trompe pas. Enfin, je suis pas sûr en fait. Enfin, on verra. Lui, ça serait bien qu'il a. Ouais, PM plus 30%, voilà, génial. Bon, premier groupe prêt. Deuxième groupe. Ça c'est bon. Les reliques. Alors lui, je vous ai dit, il y a deux reliques que lui peut mettre. Putain, le tank. Putain, il y a. Le temps qui est passé déjà. Il peut mettre ça, voilà, il y a que lui qui peut. Et l'anneau blizzard. Mais apparemment il peut pas. Hein. Donc je vais mettre ça pour attaquer plus souvent. Donc vous allez voir ce que ça fait un orage. Il prend un de nos persos et il le balance sur une. Ça fait pas de dégâts à notre perso bien sûr. Donc basket. Tiens un ruban, ça pourra être utile. Donc elle va prendre le. Ouais. Boucle d'oreiller. Ce que j'adore, c'est qu'on voit que c'est les femmes les mages parce qu'ils foutent que des trucs pour les cheveux, si ça vous est les. Des boucles d'oreilles, des points pour les cheveux. Genre. Lui, on va lui mettre un truc qui augmente la vigueur, ce sera sympa. Voilà. Et Rayeuf surprise pour l'XP. Voilà. Et enfin, les trucs. Tiens, c'est pour être utile ça. Palidor. Lui, un truc qui augmente l'attaque, ça sera bien. Vigueur plus 2, tiens. En plus, Golem c'est assez utile à utiliser. Seraphim, Starlet, Bismarck. Lui, je préfère lui mettre de la vie en plus, un truc comme ça. Ouais. Palidor, Golem. Donc, il peut mettre ni numéro ni. Ah! Chier. Ni relique, ni équipement, ni magicite. Donc voilà, faut rentrer chacun notre tour. Vous allez voir comment ça marche. Voilà. Par contre, là, si on bouge, ça se ferme. Donc, on change d'équipe. Et c'est l'autre qui y va. Donc, vous avez pu jouer comment ça marche. Oh, le truc de bâtard. Ah ! Ouh, ça fait mal, ça. Vous allez voir, la caverne est assez longue. Donc, à mon avis, elle va durer plusieurs... plusieurs trucs, hein. Plusieurs vidéos. Revanche, pierre. Explosion, bon ça il se suicide donc vaut mieux pas. Offense. C'est. Merde, ça y retourne même pas. Donc lui je lui ai mis plusieurs trucs. Je lui ai mis le. Faudrait que j'en mette un troisième d'ailleurs. Donc vous allez voir, Gogo peut tout faire, hein. Absolument tout. Oh les cons. Ah les bâtards. Ah, ça c'est bâtard ça. Je m'attendais pas. Bon bah je vais devoir utiliser autre chose. Parce que je me. Bon, déjà ils sont bien chiants. Hein. Outil, bah ouais, je continue avec Flash. Vous voyez c'est assez chiant. C'est assez long aussi. Les ennemis sont pas trop nuls hein, donc. Ça va nous saouler, je vous dis. Donc lui, c'est comment qu'on fait son truc déjà? Oh. Peut-être ça. Ah, voilà, c'est ça que je voulais faire. Et voilà. Comment récupérer le coffre du coup? Bah aucune idée. Oula. Le poison. Allez, je vois comment ça marche. On va devoir utiliser notre deuxième groupe. Ah bah non. Ouais mais lui il pourra rentrer plus tard ce groupe en fait. Donc pour l'instant on oublie d'utiliser celui-là. Hein. Il faudrait l'autre groupe, mais ouais, ben non. Ah, je sais. Donc, je risque de me perdre en plus. Hein. Donc, vous voyez le temps que sa mère, rien qu'une vidéo, comment je la passe en 5 secondes. Donc, je te dis, ça pète de la tarte. Magie,
Putain, mais lui il peut pas attaquer en plus, je lui ai mis un truc de soin. Bon bah tu te défends, fais pas chier. Putain, lui aussi je vais faire Airblade. Quoi que j'aurais pu faire mimer au lieu de faire le con. Vous voyez, il est vraiment utile, Gogo, il peut tout faire. On se fait jamais chier avec lui, on... Enfin, on a vraiment plein de choix, quoi. Je fais mimer, hop. J'ai même pas besoin de taper le truc. Donc ça se marrant parce qu'on voit des mains hein, comme si c'était Sabine. Enfin, on s'en fout un peu. Hein. Donc là j'ai fait une connerie parce que dès le début j'ai fait n'importe quoi. Hein. Parce que le truc qu'il fallait faire en fait, c'est d'aller... vous allez voir. Ouvrir la caverne pour le deuxième groupe. Ils sont marrants. Hein. Ils ressemblent à Invocation, machin. Je sais plus comment ils s'appellent. Bon, vous pouvez courir, merci. Donc on peut aussi prendre Mog avec un des deux groupes, hein, pour pas se faire chier. Comme ça, il y a un des deux groupes qui aura pas de combat. Mais c'est pas drôle. Ah ben voilà comment on récupère ce coffre. Tornade, alors ça, qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Hein. Peut-être une arme. Ouais, puis l'autre, je vais lui enlever sa baguette de soin, parce qu'il me saoule. Ah ben non, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre à lui la baguette de soin. Comme ça, quand il n'a pas besoin de faire ça, bah, il fait les autres trucs. Donc je vais lui mettre ça, il met au fin Sookie. Et un autre truc. Croquis, jackpot, danse. Rage. J'hésite là, j'hésite. Voler, tiens. Ça sert à rien, mais je le ferai jamais, c'est pas grave. Donc là, hop. Ouais. Une deuxième ouverture pour le groupe. Hein. Donc désolé si la vidéo est chiante. Mais voilà, j'ai mal commencé. Donc voilà, ça c'est la rage de. La rage ring de. La Rage Ring, pardon, de numéro. Ça le soigne. Pourtant, c'est du feu, lui, c'est la glace. Pardon. Donc je vais essayer au moins de le faire en moins de 3 vidéos quand même, la vidéo, la caverne, ça sera sympa quoi. Voilà, donc là hop, deuxième groupe, il passe par là. Ouais donc là c'est des morts vivants apparemment. Donc logiquement le truc de soin, ah mais il peut pas attaquer ce con, donc ça sert à rien ce que je fais. Bon, je vais faire le mantra. Donc ça lance Pearl parfois. Pearl, bon, ils ont traduit ça par sacré hein, dans la version, dans cette version. Donc c'est un sort assez puissant comme vous voyez. Et du coup, avec deux persos qu'on mantra, on est quasi invincible quoi. Parce que normalement ça soigne pas l'autre, mais là comme il y en a deux. Ça soigne pas nous-mêmes normalement mantra, mais là il y en a deux donc. Ça soigne l'autre perso qui fait mantra et voilà. Enfin, je vous dis avec ça invincible quoi. Et voilà.
Normalement, il fallait commencer par libérer le passage pour l'autre groupe. Donc moi, je trouve ça assez sympa, hein, de faire un truc comme ça avec les groupes. Donc là, il faut aller ici. Ils vont me faire chier. Hein. Donc, on va prendre l'autre. Il faut un grand boom chacun. Et voilà. Vous voyez, vraiment génial, Gogo. Quoi. Il a tout le gameplay à lui tout seul, quoi, ça. C'est le gros mime, quoi. Parce que non seulement il peut faire mimer, mais on peut lui faire nous-mêmes, c'est tous les trucs, quoi. Donc voilà. On reprend l'autre groupe une fois de plus. Donc il va prendre le coffre. Merci. Ah bah oui, parce que c'est ici qu'il y a loqué, donc du coup tous les coffres sont vides, je crois. Ah bah non, pas tous. Donc là, y'a rien. Donc ouais, y'a certains coffres vides, vu que c'est loqué qui les a déverrouillés et qui les a pris, quoi. Mais justement, ces coffres vides, on va en avoir le contenu lorsqu'on va récupérer loqué. Par contre, ce groupe il est moins puissant que l'autre, quoi. Donc là, je pourrais faire le truc absorbe la vie, mais avec Xen, vu que c'est une mort vivante, ça sera inversé et c'est lui qui nous l'absorbe. Vous voyez, il fait très mal, hein, Umaro, quand même, en coup normal. Donc, oui, en récupérant un loquet, on aura une magicite phoenix qui est vraiment génial, qui permet de faire vie 3, je crois. Et des sorts de feu aussi. Et certains objets. Si je me trompe pas. Ah. Oula, il me l'a zombifié cette fois. Donc là, je vais pas hésiter. Je vais faire un coup de temps sur mes os. C'est quoi? Tiens, on va tenter. Je sais pas si vous avez vu ce qu'il fait, mais il m'a lancé un perso contre un autre perso, quoi. Alors je vais juste voir à quoi sert ce truc, en fait. Ah, d'accord, ça leur fait tous sauter, en fait. Donc sauter, c'est un truc que je vous ai jamais montré, qu'on peut avoir les bottes avec les bottes de dragon. Donc et voilà, ils sont tous en l'air, et après ils retombent sur l'ennemi. Et là, comme ils le font tous ensemble, bah, ils vont tous tomber avec le... Ouais, mais ils contre-attaquent à chaque fois, c'est enfoiré. Donc voilà, on se retrouve avec 15 zombies à 1 mort. Génial. On va mettre un haut de vie, ça tombe bien. Donc voilà, eux, ils sont aussi dans la lave, du coup. Talent. Donc j'ai exploré un peu le donjon... entre cette vidéo et la prochaine. Comme ça, j'aurai... Je vais faire de la reconnaissance de terrain, quoi. Et puis je m'y retrouverai un peu plus à la prochaine vidéo. Donc autant l'autre groupe peut se soigner sans rien foutre, là, c'est un peu le bordel. Bon, bah, à la prochaine vidéo, qui j'espère sera mieux que celle-là, parce que là c'était un peu... de l'équipement d'inventaire, etc. Enfin, c'était le gros bordel. Donc salut.